Alors, il y a deux grands types de risques qu'on a vu apparaître dans les risques professionnels liés au climat. Il y a des risques liés à la technologie, l'évolution des technologies, les batteries, l'hydrogène, les nouveaux outils qui sont mis en place pour faire évoluer le développement et le climat. Alors les dilemmes, ils sont surtout liés à la fois à la sécurité et à la fois à l'évolution climatique. Et il est évident pour nous que la priorité doit être la santé et la sécurité des salariés. Alors, les quatre modes d'action de l'INRS, c'est à la fois faire de la recherche pour identifier les risques, identifier les solutions de prévention, les diffuser par de l'information, communication, via notamment un site web, via des brochures, et de former les différents acteurs de la prévention, que ce soit les salariés en entreprise ou des médecins du travail, par exemple.